autorités immédiatement. Dans des crottes de lait. Que puis-je pour vous? Surveillez dehors, dites-moi si ça bouge. J'ai besoin d'une arme qui peut tirer avec une précision parfaite d'assez loin. Très bien, ce qu'il vous faut, c'est un fusil du genre de ce calibre 22. Qu'est-ce que vous avez l'intention de dégommer? Une personne. Vous voulez dire une personne qui vous menacerait, je suppose? Cette personne nous menace tous. Je vous en supplie, c'est important, dépêchez-vous. Bah, vous risquez rien, du moment que la personne s'introduit chez vous, elle représente une menace immédiate contre vous. Quoi? Comment je fais pour la forcer à s'introduire chez moi? Vous pouvez pas tuer une personne qui vous menace dans la rue, c'est interdit. À moins que vous soyez dans un état qui a une loi autorisant à défendre son territoire. Défendre mon territoire? S'il vous plaît, il nous reste peu de temps. Avec une loi autorisant à défendre son territoire, vous pouvez en toute légalité tuer quelqu'un qui vous menace, que ce soit dans votre maison ou pas. Ouais, ouais, c'est ce qu'il me faut, je prends ça. Non, faut que vous soyez dans un état qui applique la loi à défendre son territoire comme la Floride. Alors c'est sans espoir. Avec toutes ces lois à la con, comment voulez-vous que je tue Token? Une petite minute. J'ai pas le droit de descendre Token, mais je peux tuer qui je veux si je vais en Floride. Le moment qui vous menace, c'est bon. Quoi? Dites-moi à quoi vous pensez. Vite, mon mari est peut-être encore en vie. Je pense à l'autre moyen d'arrêter l'épidémie. Token n'est pas le seul patient zéro. L'épidémie se répandra pas si on dégomme George Zimmerman. Faut partir en Floride tout de suite. On se grouille. Et maintenant, direction la Floride. Cet avion est à destination de Baltimore. Baltimore n'existera plus si on va pas en Floride. Black à l'arrière. Très bien, maintenant trouvons Zimmerman. Mettez ça. À partir de maintenant, faut pas se faire repérer. Pourquoi? Qu'allons-nous faire? Moi, je vais débusquer le patient zéro. Et vous allez le buter, c'est la seule solution. Mais si jamais il nous attaque en premier? Vous en faites pas, personne peut nous voir habillés en noir. Je n'ai même pas pris le temps de vous remercier pour tout ce que vous faites. Mangez votre petit-déj, les filles. Où il est, papa? Vous pouvez manger sans que papa soit dans la cuisine, on se dépêche. Papa! Bonjour, les filles. Vous m'avez gardé des pancakes? Regardez-moi ça, 6 heures du matin et ma famille est déjà souriante. Quelle chance j'ai d'avoir un mari aussi parfait, George Zimmerman. Et moi d'avoir une femme aussi belle. Je t'aime, mon papa. Moi aussi, je t'aime, princesse. Je vous aime toutes les deux, mes chéries. Rien ne pourra arriver à notre famille tant que nous resterons tous ensemble.